Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ellie. Pour cette soluce, j'aurais aimé vous trouver un parcours tranquille comme pour la garderie, mais le comportement de Monty est beaucoup trop aléatoire. Heureusement, j'ai quand même quelques astuces à vous donner pour vous faciliter la vie. Je vous les montre tout de suite dans ma partie. Premier conseil, montez le volume. Je vais vous montrer que le son est vraiment essentiel pour réussir à battre Monty. Tu crois vraiment qu'il va regarder cette vidéo? Il y a des chances. C'est souvent moi qui lui passais les bosses après tout. Il n'y a plus qu'à espérer. Pour bien commencer, il faut essayer de mettre le maximum de distance avec lui. Vous voyez le bouton, on en aura besoin tout à la fin. Vous avez entendu ce choc sourd? Ça veut dire que Monty a sauté sur l'un des alligators volants et qu'il s'est ensuite laissé retomber lourdement sur la plateforme. Ce son-là est très important, parce que Monty atterrit souvent près de vous. Dans le doute, il vaut mieux tout arrêter, même si vous êtes en train de tirer, pour voir où il est exactement. Allez-y toujours doucement quand vous commencez à tirer. Vous devez entendre de la musique si vous avez mis la balle dans le seau. Vous pouvez aussi vous fier aux lumières si vous êtes malentendant. À ce moment-là, restez figé dans la même position et matraquez le bouton de tir. Le gun s'est brisé parce que je viens d'envoyer 10 balles dans le seau. Normalement, ce son indique que vous êtes repéré, mais dans ce combat, il se déclenche n'importe quand. Soit c'est un bug, soit c'est fait exprès pour nous faire paniquer. Personnellement, je n'y fais plus attention, sauf si le bruit des pas de Monty est vraiment tout près de moi. Raté. Là, c'est bon. Et mince, je me suis décalé. Petit check de sécurité pendant que ça recharge. Il a sauté, il vaut mieux regarder où il est. S'il vient pas dans notre direction, on peut rester tranquille. Il reste vachement dans ma zone quand même, il va finir par attaquer tout à l'heure, hein, faut se méfier. Voilà, ça devait arriver. C'est pas grave, on va aller voir ailleurs. Perso, il me faut 25 balles, mais j'ai vu plein d'autres joueurs parler de 30. Alors je sais pas si ça dépend de la plateforme, ou si c'est un bug, ou si c'est simplement parce qu'ils ont changé le nombre de balles depuis la dernière mise à jour de février. En tout cas, moi, normalement, c'est 25, on va vérifier durant la partie. On check. Bon, j'ai du mal avec celui-là, hein, mais comme on est juste à côté, on va quand même essayer. C'est pratique quand il atterrit juste devant nous, au moins on n'a pas le chercher. On peut même tirer, il en a rien à faire. C'est juste dommage que je sois en train de viser comme une chèvre, mais au moins on est tranquille. Non, je m'en tire pas avec ce gun là, sincèrement. On va aller voir ailleurs. Celui qu'on vient de dépasser est beaucoup plus simple parce qu'il est vraiment juste en face de la cible, mais je préfère le garder pour la fin. Il a encore sauté, hein. Il fait que ça en fait. Bon, il a dû voir une feuille bouger un peu plus loin, il nous laisse tranquille.
Normalement, on le verra pas ici parce qu'à présent, je fais super gaffe où il est avant de prendre le gun et que je fais attention à ses sauts. Mais lorsque Monty est sur le point de vous attaquer alors que vous êtes en train de tirer, le jeu vous déconnecte automatiquement de l'arme. C'est censé vous laisser le temps de vous enfuir, donc essayez de courir immédiatement si ça vous arrive. Chez moi, ça marche pas du tout. Alors peut-être parce que je suis sur PS4. En tout cas, les fois où ça m'est arrivé, ben j'ai juste le temps de mourir en fait. Il me saute dessus direct. Donc bonne chance à vous si ça vous arrive. Pas grave, il se met en plein milieu, mais ça marche quand même. Les balles le traversent. On y est presque. Normalement, j'ai dû placer 20 balles là, donc on va voir combien il m'en reste. On va se prendre un gun facile pour la fin, s'il veut bien me laisser passer. Quel que soit le jeu, c'est toujours mieux de laisser la partie la plus simple pour finir. On est fatigué, on est stressé, on en a plein le dos. Mais comme c'est facile, on arrive quand même à terminer le jeu. Et voilà, ça fait bien 25 balles. Maintenant, il faut aller jusqu'au bouton sans paniquer. C'est vraiment pas le moment de courir comme des fous en ligne droite, mon type peut encore vous choper. C'est pour ça que moi je préfère jouer la sécurité en prenant un peu les extérieurs et en prenant un peu plus de temps. Il a encore sauté, il est où? Bon, on va y aller. Et maintenant, on va bien rire. Vous avez encore 5 minutes? Je vous montre comment installer le griffe sur Freddy. Déjà, il faut sortir de là en passant par la ventilation. Ça va nous amener au stand de nourriture du Monty Golf. Je vais faire des coupures pour que le chemin passe plus vite, mais vous inquiétez pas, normalement je vous en montre assez pour pas vous perdre. Maintenant, on va prendre la porte à gauche pour faire une sauvegarde de sécurité. C'est toujours mieux après Monty, quand même. Maintenant, on passe par cette porte et on va tracer la route jusqu'aux toilettes. C'est plus simple de prendre Freddy. Mais là, j'ai vraiment pas de bol avec sa batterie. Je vais le recharger près des toilettes, du coup.
Maintenant, on prend l'escalier à droite et on arrive déjà à l'ascenseur pour quitter le Montigolf. Quand vous sortez du Montigolf, prenez simplement la porte à droite et remontez les deux couloirs jusqu'à arriver aux loges. Vous pouvez tracer, il n'y a aucun ennemi normalement. Ensuite, direction la loge de Roxane pour prendre l'ascenseur. Et nous voilà enfin arrivés. Plus qu'à monter les griffes et à se méfier de Moondrop parce qu'on va bientôt changer d'heure. Preparing for upgrade procedure. You may now enter the protective cylinder. Let's begin by opening the arm casing. Disconnect the collared cables to remove the old forearm. It is important that you match the pattern correctly. Si vous avez une bonne mémoire visuelle, ça pose pas de soucis normalement. Sinon, essayez simplement de dire le nom des touches à voix haute au fur et à mesure qu'elles s'affichent. Si vous avez plutôt une mémoire auditive comme moi, ce sera beaucoup plus simple, vous verrez. Great. Now place the new armature into the forearm casing. With the new armature inserted, reconnect the colored wires. Carré, croix, croix, triangle. Comme ça, vous voyez. Great job. Now close the casing. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Need to perform the procedure on the other arm. The auto assist did it for you. My arms are different. Where did you get these parts? I'd rather not say. How fortunate. I should now be able to smash through the cyclone fences around the building, the way Monty does. Exactly like he did. It's past your bedtime. Et maintenant, il suffit de sortir par ici pour vous mettre rapidement à l'abri. Surtout, essayez pas de prendre l'ascenseur de Roxane par contre, hein. J'ai essayé plusieurs fois, c'est impossible d'arriver jusqu'en haut en vie. You made it to the recharge station, Gregory. Now that I have been upgraded, I should be able to access the Roxy Raceway. I have not been there for a very long time, but perhaps you can find some clues on how to deal with Roxy while you are there. Je ferai aussi une soluce pour Roxane, hein, si elle vous embête, hein. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre mes prochaines soluces. Bye bye.